Bonsoir, je suis Bob Lennon, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en ce moment même, c'est l'heure du concours mensuel Instant Gaming. Oh mon dieu, ils ont changé le logo. Des jeux gratuits, et y a pas que ça, y a toutes les dernières sorties. Ça m'excite tellement que je suis mal détouré. T'es sûr que ça va? Achète mes jeux gratuits. Ok, voilà mon argent, je clique sur le lien, vous faites pas de mal. Excellent choix, Instant Gaming propose des jeux sur toutes les plateformes, et à prix réduit. Ça tombe bien, j'ai plus rien! Disponible aussi sur Twitter et sur Twitch! Tous les jeudis soirs à 21h, le stream de la propreté! Ah, y a pas à dire, c'est toujours aussi bien! Je fais aussi des streams n'importe quand, à n'importe quelle heure, donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir! Ouah! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue! Bienvenue dans l'épisode 3 de Yandere Simulator. Aujourd'hui, nous devons protéger notre senpai de Katin Dekati et de Péripatéti Pute. Bref, allons-y. Allons-y, mettons-leur la violence. La dernière fois, nous avions profondément humilié une femme qui pensait être notre amie alors qu'elle n'avait que la croupe facile. Allons-y. La croupe facile pour se faire battre. Hein. Alors, nous jouons toujours Ryoba Aishi, nous devons toujours défendre notre senpai. J'ai pas de jeu vidéo, de toute façon c'est le matin, je peux pas lire de manga. Je ne peux pas faire péter les cours, ce serait déraisonnable. Et en termes de culotte, nous allons nous équiper sur la culotte basse température afin de gagner des points supplémentaires d'intelligence en classe. Voilà, ce jeu vous envoie des signaux assez mixés. Bien évidemment, juste avant, on lèche le chewing-gum. On prend un bon sniff de senpai et on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'abord? On a 208 balles. En vrai, je vais peut-être sortir en ville un instant. Ça va, Poupette? Maintenant, tout va bien. Peut-être sortir en ville un instant, voir ce qu'on peut acheter. Hardware store. Tu t'es trompé de magasin, gamine. On pourrait acheter une pelle. crowbar, screwdriver et pipe brush. J'avoue que tout ceci me paraît risqué d'acheter ça maintenant. On n'a pas moyen de forcément nous protéger. Par contre, les jeux... Yanvania 3, Dracula Chan's Curse, Super Club Slam, Scrubs Tales. C'est intéressant, mais ça coûte malheureusement assez cher. Les mangas. Alors, les mangas, on a acheté des mangas qui vont bien. On va pas travailler si tôt dans le matin. Nous avons acheté tous les conseils. Shori no Imitsu, les sous-vêtements secrets. On pourrait tout acheter. Hein. On pourrait tout acheter... Voilà, Panty Queen. J'ai tous les slips et on peut regarder à travers les binocles. Fais voir. Qu'est-ce que c'est? Il a coulé ce bateau? Non, d'accord, ce bateau navigue. Ce bateau là-bas. À quoi servent les binocles? D'accord. Bon. Tant pis. Ryoba qui s'ambiance juste avant d'aller à l'école. Brave gens, hein, c'est ça qui est bon. Et bien évidemment, avant d'aller à l'école, on va vérifier comment se porte notre invité. Alors, ça va? Hein? Bien ça. Bring to school. Oh! Si vous amenez votre prisonnière à l'école, vous pouvez lui donner une arme et lui ordonner de tuer quelqu'un. Après, elle se suicidera. Ouah! Pratique! Je vais lui donner des repas. Allez, histoire de la remettre. Ah, c'est bien. Nouilles au fromage. Et allons à l'école. Qu'est-ce que j'apporte à l'école? Des cigarettes, des capotes, un crochet ou un sédatif. Un crochet, ça me paraît intelligent. On pourra essayer, quoique on peut le faire sur place. Hein. Go sur school. Hein. Go to school. Ouais, c'est mieux d'avoir des options. Allons-y. Alors, aujourd'hui... Quelle est la catin aux cuisses larges qui veut tenter de séduire notre senpai? Je crois me souvenir qu'en fin d'épisode précédent, on parlait d'une tomboy. Une fille qui a plus de facilité de se faire des amis avec des garçons que des filles. Regardez, je suis tellement pas féminine que j'en suis pas agressive. Baise-moi derrière les douches. Je t'en suis. Hey, ma sœur a fait un bento supplémentaire ce matin. Je voudrais pas qu'il soit gâché, alors je pensais te l'offrir.
Oh, c'est super. Je vais le prendre. Senpai ! Senpai, te fais pas avoir ! La dernière fois, t'es tombé malade, Senpai ! Bon, c'était de ma faute, mais... T'es tombé malade. Très bien, je vais le garder sur mon bureau et je le mangerai ce midi. Ouais. Bon, ça va que Senpai a besoin d'être bien nourri. Hein. Oh là là là. Regardez les formes de ce Senpai. Oh là 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 là. Je peux presque le sentir d'ici. Ok, très bien. Allons-y. Hey ! Comment ça va ? Ah non, c'est pas toi. Excuse-moi, je me suis trompé de personne. Waouh, j'adore socialiser, qu'est-ce que t'en penses ? Waouh, on a tellement en commun. Bravo. Elle est où ? Elle est où, ma meilleure amie ? Que j'ai trahie ? J'ai perdu ma meilleure copine. Bon, c'est pas très grave. Toujours est-il que premier ordre d'état des choses... Eh oh, ça va, je passe des portes. Tu vas pas me casser les couilles. Excusez-moi, faites pas attention, je prends juste des voilà. J'ai juste pris des trombones. Ensuite, des trombones, il faut le hard class. Ah, j'ai complètement perdu le layout du lycée, je suis désolé. Classe 1, 2, bar espace pour nous aider, ouais, c'est ça. Classe 1, 2. Là. Eh, je croyais qu'il y avait plus assez de membres pour le club de cuisine. Comment ça se passe, du coup ? Waouh, j'adore socialiser. On a tellement en commun. Ah, attends, une seconde. Entrée. Information sur les étudiants. Elle, c'est mon amie, je rappelle. Hein. C'est tellement mon amie, elle dort à la maison. c'est elle ? Nagano Kando ? Non, Marcia Light. Non, c'est pas elle, c'est pas elle. C'est pas elle. Elle a les cheveux longs, pareil. Et ça, c'est la faculté, ok. Ah, c'est elle. Akai Seri. No club. Et pourtant, ils sont tous là. D'accord, ils sont rangés par catégorie de club. Ok. Ah, c'est formidable. Hein. Vous êtes tous des candidats potentiels pour venir vivre chez moi. Alors, on pourrait prendre du tarp, on pourrait prendre des garbage bags, on pourrait prendre des tinfoil sheets, on pourrait prendre de quoi nettoyer tout ceci, mais on va rien faire de tout cela. Lieu de couture. On a des ciseaux, c'est bien d'avoir toujours des ciseaux sur nous. On a mesuring tape, non, pas du fil. Ce que je cherche, c'est... Désolé. Voilà. Ce que je cherche... Ah là, c'est là. Excusez-moi. Donc voilà, Drama Club, ils vont bosser. Pas les gants. Là, voilà. Épingle à cheveux. Très bien. Un trombone et des épingles à cheveux. Ensuite, il faut monter à l'étage. Construire... Un comment ça s'appelle ? Wes. Et tout droit. Voilà, je peux accélérer. Voilà. Excellent. Boop. Hairpin. Boop. Paperclip. Voilà. Combine. Oui. Tada ! Et un lockpick supplémentaire. Voilà. Comme quoi, on n'a pas besoin de claquer celui qu'on a en urgence. Et espèce. Salut! Regardez-la comme elle marche! Comme si toute l'école lui appartenait! Alors que son cul appartient à toute l'école. Bref. Ne soyons pas salés. Ne soyons pas salés. Troisième étage. Forêt de Sudi Rouge. Biologie Lab. En vrai, c'est sympathique, mais c'est pas ce qu'on veut. Art Room, non, c'est pas ça. Ce qu'on voudrait, c'est le Science Club. Club de science. Oui, pourquoi pas. Non, ce qu'on voudrait, c'est... Photographie Club. Non, on voudrait le club d'enregistrement. J'ai besoin de la radio. Ah, voilà. Audiovisuel Room. Super. Là, there we go. Parfait. Non. Non, lâche ça. Prends la radio. Là, voilà. Pourquoi prenons-nous la radio, braves gens ? Parce que... nous voulons profiter de notre espionnage industriel pour récupérer une seringue de sédatif, si possible. Oups, pardon, excusez-moi. J'ai mal cliqué. Pour récupérer une seringue de sédatif, parce que c'est toujours bien d'avoir des sédatifs, parce que si on prévoit de kidnapper des gens, il faut être équipé correctement. Si je pose la radio là et que je l'allume... Thank you.
vais à l'infirmerie, il faut que je bloque la vue entre moi et l'infirmerie. Il faut que je pose la radio là et que je l'allume. Je ferme les portes là. Voilà, j'attends qu'elle l'entende. Ah, elle entend la radio. Elle va voir. Voilà. On pourrait même se permettre de prendre la seringue, mais ça sert à rien. Ok. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que pour l'instant, c'est pas une bonne idée. Voyons voir. Où est-elle? 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 Donc ça, non, c'est le garde du corps. Ok, très bien. Nous avons une petite seringue de tranquillisant. Ça, c'est toujours gratuit. Et j'ai perdu, malheureusement, la connasse dont je me souviens plus le nom. Attends, il y avait un lien, là. Il y a un lien entre le senpai et entre elle. Elle est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton angle? What's your damage? Ok, donc les Kaira viennent se mettre ici, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'es toi? Est-ce que t'es un mec qui est amoureux de cette meuf? Waouh, j'adore socialiser, c'est trop bien. Ok. Ça a l'air d'être ça, parce qu'elle, elle arrose. Qu'est-ce que tu fais? Wouah! Elle vient de mettre le feu à une poubelle! Et les racailles, elles réagissent pas. Oh, les racailles réagissent pas, c'est bien. Voyons voir. Excuse-moi, poupette. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne te remarque pas. Eh ben alors. Oh, oh mon dieu. Ah mais qui a commencé ce feu? C'est dangereux, je ferais mieux de l'éteindre. Espèce de petite chienne. Ok. Très bien, pipe French, sign, pulse closed. Ok. Bah pardon, excusez-moi mesdames. Ok. Mais continuons d'apprendre des informations, braves gens. Continuons à nous renseigner. D'accord, elle socialise avec les mecs. Arrête tout. Je peux te parler un moment? Socialiser. Waouh, j'adore socialiser. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Waouh. Ah, je savais pas. Il s'en fout. Ah, senpai! Are you okay? Oh. Je mets des pressions. Ok. Hey, t'es devenue copine avec un mec. Moi, j'ai essayé de faire la même chose, mais les mecs, ils veulent jamais être amis avec moi. Ils me voient juste comme une fille. Ah, mais je veux juste être un des gars, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pour devenir ami avec un homme, je pense que je devrais connaître plus de leurs intérêts, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Puisque t'es ami avec un d'entre eux, tu pourrais peut-être m'aider. Parle avec celui dont t'es l'ami et demande-lui de te suivre. Emmène-le dans tous les clubs de l'école, comme ça il te donnera toutes ses opinions et tu pourras me dire ce que t'as appris. Mueko Rakunoya veut que tu en apprennes plus à propos des Rainbow Boys, les Benga Boys, et il faut qu'ils te suivent. Merci, me laisse pas tomber, t'es mon seul espoir. Oh, j'en doute pas. J'en doute pas. Pardon. Du coup, toi, tu m'as l'air suffisamment utile. Socialise. Waouh, j'adore l'argent. Ah, je savais pas. Ok, on s'en fout. Est-ce que tu peux me suivre? Ok, pas de problème, je te suis. Merci, mec. Ok. Bon,
bah faisons cette quête et apprenons ces likes et ces dislikes. Club d'art. Mais qui peint tout seul, c'est juste triste. Oh putain, il peint bien, eh. Oh, il se démerde. Ah, tu as appris ce qu'il aimait à propos de l'art, ok. La musique. Tu as appris ce qu'il a aimé à propos de la justice et du kung-fu. Voilà, ok, on a appris. C'est bien, parce qu'on est en train d'apprendre tous les goûts de ce mec, hein. On va pouvoir en faire un esclave parfait. Audiovisuel, computer lab, voilà, très bien. Elle est chiante cette quête, hein, mais on progresse, c'est un processus. Désolé, il faut que je sois ailleurs, là. Allez, je t'en supplie, suis-moi. Ok. Être une femme, mener un homme par le bout de son nez, quel régal. Ah, voilà, on a appris ce qu'il aime à propos du Jardiland. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben... Elle caresse le chat! Eh ben ça va? Waouh, j'aime vraiment pas la photo, hein. Ouais, on est tellement proches. Putain, on est tellement proches. Voilà, malheureusement, le cooking, je sais pas si... C'est fermé. Ah ouais, lol! Ah ouais, tout le cooking club est fermé, en fait. Ah! Donc on pourra plus prendre la moutarde et le sel. Damn! Plus d'IPCAC. Il va falloir qu'on trouve d'autres méthodes pour se fournir. Et je me demande si ça nous kéblo pas la quête du coup. J'espère. Hein. J'espère qu'on a quand même le moyen de le faire. Est-ce que je peux genre lui parler... Ok Eden, très bien. Est-ce que je peux genre parler de la cuisine? Qu'est-ce que t'aimes à propos de la cuisine? Waouh, j'adore la cuisine. Hein, je savais pas. Ok, là normalement, on a appris tous ces likes... Et ses dislikes. Où est cette connasse? Ouais, elle fait la fière. Elle revient cramer la poubelle de temps en temps quand même. Hein. Alors ça, c'est les trucs qu'il aime et les trucs qu'il aime pas. Super, maintenant je sais tout. Je pourrais enfin m'insérer et devenir un des gars. Merci infiniment. Ok. Parfait. Bon. Étape 2 de l'opération. Cramer le fion de la chaudasse. Trouver des infos sur cette chiennasse. Excellent, c'est tout droit. Voilà, ça c'est une librairie. Où est-ce? Là c'est pas vrai. Ok. À 8h bientôt, c'est la classe. Hein. Donc il faut qu'on se magne. Alors, elle n'est pas dans la même classe que nous. Aïe. Voilà une difficulté supplémentaire. Il va falloir qu'on trouve cette information et vite. Chier. C'est ce que c'est une information dont je dispose. Non. Elle a un hobby dangereux. Ouais, on est au courant. On est au courant pour son hobby, Peut-être qu'elle est dans la même classe à Senpai. Hein. Si elle est dans la même classe à Senpai, elle mourra dans des souffrances terribles. Bonjour, oh, proviseur. Hello there, young lady. Can I help you with anything? Chier. Non, monsieur le proviseur, vous en faites pas, monsieur le proviseur. Excuse-moi, toi, là. Bonjour. Waouh, je déteste socialiser. Hein. Pff, vraiment, te parler me fait chier. Hein. Est-ce que je peux te demander une faveur? Ah non, il y a une tâche d'abord. Je suis amoureux d'une fille et je voudrais lui donner un cadeau, mais je sais qu'elle aime les roses et j'aimerais y trouver une rose, mais je crois que je sais qu'il y a un buisson de roses quelque part à l'école. Si t'en as entendu parler, trouve-moi une rose, s'il te plaît. Oh, merci. Putain, toutes les étapes que je dois me taper. Ah non, attends, c'est juste le bento à Senpai, ça. C'est juste le bento à Senpai, c'est pas le sac de cette petite chienne. Ok, d'accord. Vite. Il est 8h, ça va. Personne n'a l'air paniqué, je crois que les cours commencent à 8h30. Putain, mais où est-ce qu'elle a mis ses affaires? Est-ce qu'on va être obligé de la suivre demain, d'attendre? Est-ce qu'on va être obligé de subir le fait qu'elle parle encore à Senpai? Bon, c'est brave.
C'est pas grave. C'est pas grave. On ferme la porte. Voilà, c'est pas grave. Il était là depuis le début. Il y a une prof et un lèche-cul de la classe. Très bien. On va prendre notre mal en patience. Après tout, on a le sédatif. Prendre notre mal en patience. On va apprendre... C'est vrai qu'on a la psychologie, on est bien, mais on a plein de points. On va apprendre un peu de langage, tiens. On va se mettre au moins une stat. Voilà. Ben, je l'ai pas, tant pis, c'est pas grave. On continue. Voilà. Tout le monde va manger. Bah putain, excusez-moi. Tout le monde va manger. Donc, Senpai va manger le bento. Ce qui me. Mais c'est brave. Il faut. Ah, c'est comme le début de la Blue Girl. C'est un hentai, hein, ne regardez pas. voyons voir. Ne paniquons pas. Regardons cette statue. Très bien. Ne paniquons pas. Alors, déjà, il faut que nous localisions cette catin des Cathy, exactement. Où est-elle? Elle est sur le toit là-bas, donc elle se permet absolument tout. Il va falloir qu'on soit plus intelligent que ça. Est-ce qu'elle a laissé son sac dans la classe? Putain, je me suis perdu. Non, attends. Pardon. Tellement de racailles, il va falloir que je me débarrasse d'une partie de ces racailles. Hein. C'est pas possible. Hein. Il marche dans le lycée, il croit ils sont chez eux en fait. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et là, elle a laissé son sac. Son sac est accessible. Mais il y a une prof. Ça rigole dans les couloirs. Hop. Tac. Vite. Lire le magazine. Magazine, qu'est-ce qui lui plaît à cette connasse? Petit screen à l'ancienne. Elle aime les lunettes, elle aime les colliers, elle aime les boucles d'oreilles. Oh là 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 là. Et elle aime les cheveux en arrière, d'accord. Donc elle veut sortir avec un rappeur Draco Malfoy en fait, pas de problème. Et enfin, lire son journal intime. Mon ami a demandé ce que j'aimais le plus. C'était difficile, mais le drama, les arts martiaux, le sport, les blagues et la violence. Connasse. Cooking, gardening, gossip, school and family. Super. Total wife material, allons-y. J'ai eu un secret que tout le monde en apprenait, mon secret le plus embarrassant. C'est que dans ma dernière école, j'ai mis le feu à un des bâtiments. Ah oui! Ah, ma volonté d'allumer des feux n'a jamais été plus forte. Je veux juste brûler ce photographe démoniaque jusqu'à la mort. Intéressant. Intéressant. Comment allons-nous nous débarrasser de cette chiennasse? Déjà, on pourrait tenter des prototypes. On pourrait tenter des prototypes de mise à mort en étant efficace tout de même. Tout droit. Il faut qu'on étudie le terrain. Donc tous les matins, cette connasse vient là. Et met le feu à des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amplifier, disons, le damage? Là, il y a un poids. Il y a un poids de 50 kilos. Oh, je l'aime, ce poids. Oh, on s'en servira plus tard. Ça, c'est certain.
Ça, c'est certain, on s'en servira plus tard, mon gars. Il n'y a pas de mystère, hein. Je vous garantis, ça va se passer. Ça, on ouvre les portes, on ferme les portes, donc ça ne change rien. Elle est toujours à l'étage. Et là, il y a tout le club du machin. Par contre, c'est cool, parce que les Kaira... Je ne sais pas si les Kaira s'installent plus vite. Parce que les Kaira seraient témoins du meurtre, du coup. Les meufs Kaira. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est vrai. Une batterie de voiture, des sacs... comment dire? Des sacs, une tenue, de l'eau et un piano. Swat. Les racailles qui mangent paisiblement. Scrap métal. Oh, qu'est-ce que... Désolé, il faut que t'ailles au conseil. Mais j'ai rien fait! Je fouillais juste les poubelles! Je suis un raton laveur! Oh, putain. Madame, c'est honteux, j'ai respiré... J'ai respiré en face d'un étudiant! Carrying something very dangerous around school. What were you thinking? Une excuse! I found something dangerous just lying on the ground, so I was bringing it to a teacher to report it. Oh, that makes a lot of sense. In the future, to avoid this type of misunderstanding, simply inform a teacher about it instead of picking it up and carrying it around. I'm choosing to trust you. Please don't give me any reasons to report. Voilà, très bien. Merci. Réputation 100. Comme quoi, il y a une justice. Voilà. En plus, j'ai techniquement pas menti au prof. C'est quoi ton blaze? Excusez-moi. José Chiuba. Il est exotique. Et il parle en portugais. Toi, mon gars, t'es sur ma shitlist. T'es sur ma shitlist. Très bien. Ok, donc maintenant, est-ce que je peux réinspecter ça? Des morceaux de verre, ok. Sac poubelle. Qu'est-ce que je peux faire avec la poubelle? Grave. D'accord, je peux pousser la poubelle, ok. Ouh! Oh! 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 Je suis sûr que un étudiant qui tomberait pile dedans serait d'une efficacité, mais jusqu'alors jamais observé par le corps professoral, si tu veux. Je pense que là, il y a moyen de faire un geste logistique fort. Alors, voyons voir. Malheureusement, il va peut-être falloir que je m'inscrive au club de Jardiland. C'est fermé. Hein. Une vieille hache. C'est sérieux? Ok. On apprend des choses. Alors attends, on va sauvegarder d'abord, attends. Non, je ne veux pas, je veux sauvegarder d'abord. Oui, c'est pas stable, mais je sauvegarde. Voilà, merci. On attend que ça se stabilise. Là, c'est bon, j'ai la clé. Ok, cool. Super. Ils ont rien vu venir. Et normalement, à cette distance, ils me voient pas. Ok. Voyons voir. Alors, avec quoi travaillons-nous? Avec du poison pour rat, donc ça déjà c'est gratuit. On le prend.
de la sure, enfin du bleach, ok, une hache, une pelle, une scie sauteuse et surtout un jerrycan. Est-ce qu'on a un autre moyen de quitter ? C'est suspect, mais il faut que je passe vite. Voilà. C'est suspect, mais en passant vite, ça se passe. Tant qu'on reste stealth, qu'on se fait pas rôder par les racailles. Un jerrycan d'essence, qu'est-ce que je peux faire avec et comment... How can I work with that? Là-bas, il y a un étudiant inspecteur du fion. Là-bas, attention, voilà. On fait le grand tour. Excusez-moi, hein, j'enquête, hein. J'enquête, hein. On découvre les meilleures méthodes. Ah, ah oui. Du coup, cette connasse, en éteignant le feu en mode « Oups, j'ai mis un feu !» Bouc. Elle se crame. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille après? Parce que là, il y aura les racailles. Les racailles vont voir le corps. Peut-être. Et le problème, c'est que si on fait ça après les cours, plutôt que le matin... Ils vont, comment dire, ils vont baliser. Donc, nous avons une méthodologie. J'avoue que lui jeter un poids de 50 kg du haut du bâtiment est aussi une option que je qualifierais de sexuellement attrayante. Mais... Attends une seconde. Attends, ouais, c'est le premier étage, c'est ça. Tant pis, je vais lui laisser la victoire pour aujourd'hui. Elle va séduire Senpai. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est qu'une question de temps. On a des points. On va mettre au moins un degré de langage. Et ensuite, on va avancer en psychologie. Langage, ça va. Tu lis les mangas plus vite. C'est vrai, c'est intéressant ça aussi. Psychologie, mais tu fais plus de dommages, ok. Tu peux courir en transportant un corps. Biologie, moins de sang, chimie, tu peux faire un sédatif avec le truc de chimie, ça c'est fort par contre, hein. Ça c'est fort. Hein. Létal poison, smoke bomb, ce sera intéressant d'étudier pour ça. Ce sera intéressant d'étudier pour ça, mais allons-y. Voilà, on a appris le langage perte 1, pas de problème, pas de problème, pas de problème. On va exprès... Aller à la librairie, passer une demi-heure, vous voyez, voilà, récupérer deux points supplémentaires, et maintenant, qu'une demi-heure s'est bien écoulée, épier ce que... Pardon, excuse-moi. Voilà. Épier... Ah putain, c'est pas la bonne, là-bas. Que cette connasse fait. D'accord, elle socialise avec les mecs, ok, ok. Elle socialise avec les mecs, elle ne revient pas cramer des choses. Moi, j'aurais peut-être une stratégie. Hein. J'aurais peut-être une stratégie. D'abord, allons épier. Voilà. Il y a toujours le jerrycan qui est là, qui traîne. Voilà, d'abord, on se met en position de épier. Voilà, on est prêt. Et maintenant, la traque. La traque commence. Non, c'est bon, je suis obligé de le faire debout. Non, attends, debout. C'est suspect ce que tu fais, Ryoba. Voyons voir. Attendons plein de temps. Ce que je veux voir, c'est ce qui se passe. Donc les racailles viennent. Les racailles s'installent, les racailles discutent. Tout le monde vient arroser les plantes. D'accord, donc eux, leur travail, c'est d'arroser les plantes ici. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien.
Eux, ils discutent pour rien. Et des ballons, c'est gratuit. Là, tout le monde arrose des plantes. J'ai une question subséquente. Quelle est la politique des étudiants qui tombent sur un sac poubelle? C'est le prof de natation, lui, ok. Senpai. Ok. Le mec qui se remet à sniff. Ok. Pardon, les clodos. Voilà, très bien. Quelle est la politique? En quoi c'est suspect que je me balade avec un sac poubelle? C'est suspect? Apparemment, c'est suspect. Je pensais que ça l'était pas, mais... Supposons. Voilà, je laisse un sac poubelle là. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Sac poubelle, c'est suspect, mais pas vraiment comment. Là, vous discutez, là, messieurs, dames, mais boum, je vous pose ce sac poubelle. Je pensais que durant la période de nettoyage, ils nettoieraient tout, si tu veux. M'économisant ainsi une partie du travail, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Toi. Ah oui, t'es maître du drama, donc t'es sur la grande scène et t'en peux plus. Ok. Ok, you know what? Fair enough. On tentera l'expérience, c'est pas grave. Toujours est-il que j'en ai assez pour aujourd'hui. On peut quitter les cours. On peut quitter les cours, c'est pas opti parce que du coup on pourrait... Ah si, allez, on va optimiser. On va optimiser et aller étudier dans la bibliothèque au moins. Voilà. On optimise. Pour être digne de Senpai, il faut travailler dur. Voilà. Navré, hein. C'était beaucoup de préparation. c'est pas disponible après 5h30. Ok, d'accord. On se casse. Se casse. Allez, on se tire. It's trying to intimidate me. Oh, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, monsieur. Demain. Demain, on rentre. Ok, cool. Bien, Ryoba est prête à partir de l'école. Elle ne peut pas s'y résoudre tant que Senpai n'est pas rentré à la maison. Et voilà. Alors, je pourrais utiliser mon esclave sexuel. Je pourrais utiliser mon esclave sexuel afin d'organiser un petit attentat, mais je préfère garder cette carte dans ma manche. Je peux pas encore choisir mes culottes, non, ils ok. Je pourrais sortir le soir pour aller travailler, c'est pas plus mal. Et aussi, je pourrais lire le manga. Voyons voir. Séduction niveau 0, innocent. Non, ça n'ira pas. Il faut que je sois prête pour Senpai. Il faut que je sache tout, mon gars. En 4 soirs, on peut dévorer ce hentai, allons-y. Bien. Voilà, ça qui est bon. Juste avant de partir. Voyons voir. D'accord, moins de pénalité de réputation quand tu fais des actions yandere.
Bonus pour convaincre deux étudiants de tomber amoureux. Bonus quand tu socialises. Les gens te voient de moins loin. Tu cours plus vite, ça c'est intéressant. Bonus quand tu t'excuses. Plus de points. Moins de traces de sang. Bonus quand tu parles mal des autres. Ta santé mentale diminue moins vite. Et enfin, ok, il faut les trouver, d'accord, très bien. Ok, très bien. On va garder le slip à études, puisque le slip à études est assez garanti. On va juste au sous-sol un coup. Pour prendre quand même soin de notre prisonnière. Voilà, un petit repas. Voilà. C'est comme un enfant. Sauf que c'est moi qui vais à l'école. Alors, pas besoin des sédatifs, pas besoin des capotes, pas besoin des cigarettes. Allez à l'école, très bien. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Bon, nous avons une idée de ce que nous allons faire et de comment nous allons procéder. Étape 1. J'aurais dû. J'ai fait une erreur. Est-ce que je peux recommencer la journée? Oui. Oui, à la maison. Je voudrais, voilà, mon crochet. Aujourd'hui doit être un meurtre parfait. Excellent. Voilà. Hé, hey, senpai, tu as apporté le livre que je t'ai demandé? Je vais pas les épier ce matin. Je vais souffrir de ne pas regarder le visage de senpai. Voilà, je prends le petit sac et le gros sac à dos. Et on va rusher. On va rusher le club de gardening. Parce que nous avons du matériel à récupérer. Excellent. Alors. Voilà, c'est ouvert. C'est fermé. Alors, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Je peux pas la planquer dedans. Très bien. Et ça? Je peux pas le cacher dedans? Je peux pas le cacher dedans. Et ça non plus? Comment on cache quelque chose dans l'objet? Insert. Voilà, très bien. Parfait, parfait. Et ça, je ne peux pas le cacher dedans. Écoute. C'est sans importance, on va les prendre quand même. Voilà, et prendre ça surtout. Voilà. On s'équipe bien. On vérifie que la voie est libre. La voie est libre. La voie est presque libre, mais c'est pas grave, c'est notre amie. Voilà. Elle nous a entreaperçus. Cette connasse qui n'a plus aucune joie de vivre et... Ouh. Par contre, les Benga Boys, il va falloir les passer de manière non suspecte. Lui, il court, je sais pas où il va. Il court pour s'asseoir, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Aucun problème pour nous. Là, ça c'est plein de gasoline. On peut donc poser les choses, genre ici. On peut poser le gros sac. Voilà, ici. Très bien. Le petit sac, on le garde. Parce que ce petit sac va nous servir à récupérer du matos qui va encore nous manquer. Voyons voir. Voilà, je suis là. Ok, incinérateur, gain, ce que c'est là, cooking club, ouais, et home economics, je crois. Donc c'est sur la gauche. Là, voilà. J'ai mis les sacs poubelles là-dedans. Le tarp apparemment, c'est pas suspect. Très bien. C'est pas suspect.
C'est pas suspect, super. Voilà, très bien. Rien de suspect. Se dit le mec qui veut me faire chier, mais que rien n'est suspect. Rien n'est suspect. Voilà. Ok, on pose ça là. Ensuite, dans le petit sac, on pose ça là. Voilà, tout est quasiment prêt. On peut fermer la porte de ça, si possible. Voilà, histoire que personne ne se doute de rien. Les Kaira viennent s'installer, et j'avoue que ça, c'est un problème, mais j'ai peut-être le temps de le régler intelligemment. Ah, ça va être tendu. Ça va être risqué, mais si ça marche, ça paye. On prend quelques ballons. On retourne vite au laboratoire de chimie. Tu vas socialiser d'abord? Ouais, elle va socialiser d'abord, j'ai encore du temps. Alors, laboratoire de chimie, c'est... juste à l'opposé, chier. Pardon. Non, excusez-moi. Ammonium. J'ai les bombes à prout. On esquive les étudiants lèche-couilles. Et nous sommes... pardon, excuse-moi. Nous sommes fin prêts. Ok. La voilà. On pose les bombes à prout. Attends, on prend les bombes à prout et on tourne le dos. Il suffit juste d'attendre. Ok. Où est la sauvegarde? Ah, je peux pas. Tu peux pas sauvegarder tant que tu tiens encore un objet. Je sauvegarde. Là. Excuse-moi. Merde, putain. Bye, ok. Excuse-moi. Oh, c'est ça. Voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Oh, c'est quand même incroyable. Ce feu, que se passe-t-il là? Je vais l'éteindre et boum! Elle n'a rien vu. Là. Where. Ok, et j'oublie rien. Alors.
Voilà, j'oublie rien du tout. Et surtout pas les Sting Bombs. Excusez-moi, les filles. Excusez-moi, faut partir. Voilà. There we go. Voilà. Voilà. Et nous sommes ici dans une situation que je qualifierais de suffisamment discrète. Alors, comment allons-nous réagir? Déjà, on va traîner ça. Excuse-moi, je peux pas le traîner plus loin. Non, je peux pas le traîner plus loin. Ok. Alors, ma chère Moeba, voyons voir comment nous allons procéder. Le Jerry, Jerry Khan, Jerry Golet. Voilà, je le pose. Ensuite, attends, il faut que j'arrive à poser ça à loin. Voilà, très bien. Ensuite, pick-up. Voilà, hop. Je vais te mettre là. Très bien. Mais je sais pas comment je vais faire pour pouvoir récupérer seulement le sac et pas le corps. Parce que j'ai besoin du sac qui est en dessous, espèce de connasse. Même dans la mort, tu me fais chier. Hein. Ça t'a pas suffi d'être une chaudasse. Hein. Fallait en plus que tu sois chiante. Très bien. Portée. Très bien. Je vais le poser. Voilà. Remove. Voilà, ça c'est très bien, on va le poser là. Alors, Roll of Tarp. Place Tarp. Là, voilà. Ça c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas, comment dire, d'éclaboussure qu'on qualifiera malheureuse. On prend les sacs poubelles qu'on va poser ici. La scie circulaire. Ah, j'oublie un détail important. Mes vêtements. Je me demande si je le planque là, est-ce qu'il voit quand même le corps? J'ai complètement oublié le détail de mes vêtements. Ah, si je la pose là... Bon, j'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé. Au pire, je serais un peu en retard en classe, c'est tout. Fabien. Personne n'a rien réalisé. Ce qui, je vous l'avoue, m'arrange. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Là, voilà, très bien. Ah, excuse-moi. Ouais, qu'est-ce que tu fous là en fait? Excuse-moi. Merci. There we go. On vérifie qu'il y a la voie est libre. La voie est libre. On fait attention à Connard Central. Comment ça tu vas trouver toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah. D'accord, il attend juste que. Voilà. Il est là en amoureux transi. En attendant juste de pouvoir voir son cadavre. Bon, personne me trouve suspect. Donc moi... ça m'arrange, comme on dit dans le métier. Ok. Alors, il va falloir pas se tromper, parce qu'on a beaucoup de matériel, hein. On a beaucoup de matériel. Portée, ça ne change pas grand-chose. Pick-up. Voilà. Allez. Putain, c'est du travail, quand même, hein. Voilà, posé. Non, attends, drague. Voilà, on va la draguer un peu plus dessus. Non. Pick up. Allez. Non. Trop décalé. Pick up. Voilà, on veut éviter les traces. C'est un processus, hein. Là, voilà, parfait. Excellent, enfin. Cette petite pute coopère. Très bien. Allons-y. Ouh. Ah, j'ai oublié les vêtements. Fou. Ah, il y a déjà les sacs poubelles. J'avais même pas besoin de prendre les garbage bags. Quoi que c'est des tarp bags. Est-ce que c'est considéré comme pas bien ou pire ou mieux? Faut voir.
Mais j'ai oublié de mettre les vêtements, donc mes excuses. Mon meurtre parfait était incomplet. Là, voilà, re, chers amis, re. Et c'est juste avant... Boop. Boop. Voilà, que j'empuantis la population. Voilà, elle y a mis le feu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'éteins tout, j'éteins tout. Ah. Parfait. Ah mon dieu, elle l'a vu. Elle va se planquer, elle. Mon dieu, elles vont le voir aussi. Non, c'est bon, elle se casse. Ok. Pick up, très bien. Malheureusement, cette connasse l'a vu. Mais pas de panique. Elle sait pas que c'est moi. Donc pour l'instant, on ne panique pas, on reste organisé. On a le pot. Il y a une mort à l'académie, vite. On a besoin d'aide tout de suite. Ah, les flics sont là dans 5 minutes. Vite. Vite, vite, vite. Putain, j'aurais dû mieux jeter ma bombe. Malheureusement, mon meurtre n'était pas parfait. Où sont les bombes à prout? Putain, mais Putain, mais vous venez me faire chier là, barrez-vous! Ok, très bien. Voilà. Très bien. Ok, pas de panique, pas de panique. On porte les bons vêtements. Dans le sac, nous avons la scie sauteuse. La 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 la. La 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 la. Et hop là. Whoopidou. Whoopidi. Ouh. Bibidi, babidi, bou. Ok, très bien. Donc malheureusement, ça laisse beaucoup de traces, j'en suis d'accord. Cependant, fort heureusement... Attendez, vaut mieux dans ce cas-là, où est mon sac, où sont les... Ah voilà les garbage bag. Garbage bag, ouais, très bien. Alors, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, voilà, très bien, excellent. Bon, alors, pas de panique, pas de panique. On nettoie tout, on a le temps, on a le temps. Comment on sweep? F. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, rien du tout! J'arrive pas à ouvrir la... à fermer la porte! Oh, et puis merde! Plan B! Plan B! Elle se défend! Ouh! Et... Ouh! La situation dégénère. La prochaine fois, ce sera pas si facile. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma graisse. Ouch, m'en suis pris une. Je bug. C'est autodéfense. Alors... Là, voilà! C'est ça que je voulais! Allez! La situation est... complexe!
des battes. Ok. Là. 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 Je suis visiblement folle, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut encore sauver la situation. Où est mon costume? Où est mon costume? Où est mon costume? S'il faut, c'est juste que j'arrive à me changer. Mais si seulement j'arrivais à savoir où se trouvaient mes fringues. Il commence à avoir beaucoup d'affaires là, c'est vrai, je suis d'accord. Écoute. La police arrive dans 9 secondes. Ça m'a l'air compliqué. Non, c'est pas moi, monsieur l'agent, je vous jure. La situation a malheureusement dégénéré à la vitesse de la putain de lumière. Alors, les corps d'Akari, Doremi, Tirou, une scie circulaire, il y a du sang de tout le monde dessus. J'ai mes empreintes sur l'arme. Voilà, je suis arrêté par la police, j'aurai jamais senpai. C'est un échec. C'est un échec. Pouf pouf. This time, we can do it. We can loot it. We can loot it. I want to believe. I want to believe. Hop, faites pas gaffe. Je récupère juste ça. Je récupère juste la bâche. Donc on réapplique la stratégie qu'on avait fait à la base, hein, en fait, finalement. C'est juste que je sais pas si les sacs poubelles en bâche comptent comme des sacs poubelles normaux. Dans ce cas-là, ma stratégie est incomplète, voyez-vous. Mais écoute, au point où on en est... Ça n'a plus beaucoup d'importance. Voilà. On sera dans un petit huis clos. On fera ça discrètement. Super, c'est ça. Tire-toi. Voilà, très bien. Oh mon dieu, ah là là, il faut éteindre ce feu, c'est dangereux, c'est terrible. Ah merde, pourquoi tu fais ça, c'est bizarre. Ouais ouais, je suis près d'un corps aussi, non c'est bon. Ah, attends, il faut que je récupère les stick bombes. Barre-nous ! Tout le monde se casse ! Voilà. Parfait. Là ! En ! Hein? Alors, ça on va le poser là sur le côté. Ce coup-ci, ça on va pas se faire avoir. Alors, Kari, où sont mes vêtements? Je pose. Where? D'accord, mes vêtements ont disparu. Alors ça, c'est un vrai problème. Heureux, chers amis, heureux. Alors apparemment, pour enlever pour enlever le kawé, il faut laisser appuyer sur la touche 1. Je l'aurais jamais su. C'est bien de faire des commandes qui sont applicables. Ok, on place le truc. Voilà, on se met bien. Ce coup-ci, on prend la scie sauteuse. Voilà. On fait le travail comme on l'aime. Là. Voilà. Les jambes, les bras et la tête. Alouette. Et voilà. Et une petite pute en morceaux. Excellent. Du coup, apparemment, il y a du sang partout, mais voyons voir. Donc, je laisse appuyer sur 1. Ok.
Ok. Si je le carry, est-ce que je peux le mettre dans le sac? Non, je peux pas le mettre dans le sac. Il va falloir que je le gère de manière intelligente. La scie circulaire, par contre, on peut l'insérer dans le sac. Voilà. Apparemment, il y a du sang sur le sac aussi. Alors, voilà, c'est un problème, ça. Mais bon, on va gérer. Vision et Andere. Alors, nous avons toujours ces connasses à l'extérieur. C'est un problème. On va porter ça. On va le mettre là. On va apporter ça. Ah, il est plein de sang, ouais. On va le mettre là. C'est suspect. Voilà, on va le mettre là. À l'intérieur de ce sac, il y a des sacs poubelles. C'est pas très gênant. Ça, c'est le jerrycan, c'est pas très gênant. Le problème, c'est surtout ces deux objets. Donc, si j'ouvre la porte, comment vous réagissez? Vous réagissez plutôt bien, somme toute. Hein. C'est bien. Par contre, c'est vrai que j'ai perdu un peu de santé mentale, donc... Ah, mais le problème, c'est que... Ouais, voilà. C'est que je peux pas libérer, disons, tout mon potentiel de Yandere ici. Il faut que je sois based, mais plus loin. Parfait. Parfait. Très bien. Excellent. Bon. Alors toi, je vais être sincère avec toi. Toi, comment tu t'appelles? Dis-moi, parle-moi. Socialiser. Waouh, je déteste socialiser. On a tellement en commun. N'est-ce pas? À quel groupe t'appartiens? Parce que si t'appartiens au groupe de jardinage, t'es intouchable. Hein. J'ai besoin de la scie sauteuse. J'ai peur qu'elle appartienne au groupe de jardinage, cette connasse. Jardinage, putain. Là, t'es safe. T'as de la veine. Toi, par contre, quand t'appelles... Alors, c'est quoi ta tâche? Je suis amoureux d'une fille et je voudrais lui donner un cadeau romantique. Elle aime les roses, mais je sais pas si ces roses existent. Ah, ben voilà. On peut faire ça. Je sais plus où elles sont les roses. Je sais que j'avais déjà dû en aller en chercher une, tu vois. Il doit y en avoir quelque part forcément, mais c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est peut-être de l'autre côté du building. Je crois qu'il disait que c'était derrière le gymnase. On récupère la rose rapidement, brave Jean. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Impeccable. Parfait. Touk. Voilà. On vole une rose. Excellent. On trouve Mr. Cupman. Où est-il? Il se déplace vite, eh. Où est-il? Mr. Debilman. Là, le voilà. Très bien. Tag. Où es-tu? On parlera plus tard. Ah bon? Ah, c'est parce que c'est l'heure de la classe, non? Peut-être. Désolé. Ok. Tout le monde est en train de partir. Ils sont en train d'aller en classe, sans doute. Ou pas. Bref, il va falloir qu'on se débarrasse au moins de tous ces objets, là. Il va falloir attendre, pas le choix. Il va falloir attendre que les élèves commencent à baliser que soit l'heure d'aller en cours en fait. Voilà. Il suffit d'attendre, hein, en regardant la photo de Senpai. Cette délicieuse photo. Oh. C'est parfait. Je pensais pas que ce serait si difficile à organiser. But we did it, Reddit. On l'a fait. Allez, il est 8h20, les cours commencent à 30 là normalement.
Les cours commencent à 30 là, il faut peut-être y aller les élèves là. Allez, allez. Putain. La classe commence vite, bientôt. Ouais, je sais. Ils y vont jamais, hein. Ils y vont jamais, hein. Vous faites sécher les cours, vous êtes comme ça, vous. Merci. Merci, enfin. D'ailleurs, excusez-moi, mais... Maniez-vous ! Ok. Bien. Alors, Where? Carrie? Voilà. C'est bien, personne ne se rend compte de rien. Où est l'incinérateur? Sur ma droite. Attention, c'est suspect. C'est suspect parce que j'ai beaucoup de traces de sang sur moi quand même. Je suis déjà à la bourre, on va tracer, on va rush en espérant ne pas se faire se voir. Non, c'est bon, on se fait pas se faire se voir, c'est bon. Les gamins se sont tirés, je dis génial! Super, ça je peux le poser là, on s'en bat les couilles. Des morceaux de verre, je les prends. Scrap métal, je peux enfin regarder à quoi ça ressemble. D'accord, donc c'est vraiment... ouais, c'est une épée en fait. Ok, cool. Voilà. Activation de ça. D'accord, personne n'est à l'école à l'heure en fait ici dans cette maison. Je sors les sacs exprès. Je ferme ça. Vire tout ceci. Ferme la porte. Good. Good. Et on se magne pour être à l'heure en classe. Parce qu'il est 38. J'ai 10 minutes de retard. J'étais aux toilettes. Mais les étudiants, tout le monde s'en bat les couilles en vrai. En vrai, tout le monde s'en ouf. Il est pas encore 40. Attends, comment ça? Les choses sont encore à l'école à ce moment-là. Bloody weapons, bloody clothing, bloodstains, bloody part, corpse. Si tu vas à l'école maintenant, la police sera appelée. Comment ça? Non, je peux pas le nettoyer. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le bug du jeu qui fait que ça considère que je suis baisé. Par contre, je vais me faire engueuler ouf. Hein. Je suis à la bourre. Please try to make it to class on time. Take your seat. Pardon madame, ça n'arrivera plus. C'est promix. OK, je peux étudier un peu la psycho. Je garde des points, on sait jamais. OK, très bien. OK, la police n'a pas été appelée. D'accord. C'est l'heure du repas. Bon. Il va falloir que je trouve Kuckman. Où est-il? Là. Untag, où es-tu? Où es-tu? Tu es à l'étage. Parce que j'ai sa rose. Excusez-moi, hein, le jeu est assez junk là pour le coup.
Voilà ta tasse. T'as une rose, super, trop bien, waouh. Je vais pouvoir lui avouer mon amour. Oui, fais ça demain. Parfait. La chimie, ça m'a l'air intelligent, en vrai. Le langage aussi, parce que ça permet de dire les trucs plus vite. Détail. Créer un sédatif. Psychologie, c'est fort. Voilà, il faut 20 points pour apprendre. Ok, continue. Voilà. Dégage. Ok, pardon. Dégage. Ok, pardon. Dégage. Mais vous me cassez les... Ok. Alors, comment les élèves vont-ils réagir? À ma mise en scène un peu zen. Parce que là, c'est l'heure du nettoyage, hein. Alors, je peux même plus prendre les sacs. Je peux même plus récupérer les sacs, d'accord. Je sais pas pourquoi je peux pas récupérer les sacs, mais allons-y. Si mon intuition est bonne, le jeu est bien fait. De la victoire. Regardez, je vais aider. Ah, je peux pas. Je peux pas aider. Ah non, est-ce que j'ai fait bugger en riant? C'est pas grave. Regardez, je vous ouvre la porte. J'espère que j'ai pas fait surbugger en rigolant. Ce serait mon hubris. Le hubris. il a disparu, d'accord. Ok, bon, je vais pas me plaindre. J'imagine que l'élève qui l'avait pris puis lâché est quand même venu le poser et que ça compte quand même. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, pour la peine, hop, regardez. On est propre. Ah bah tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Inventaire, 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 inventaire. Task item, elimination item, blablabla, blablabla. J'ai du verre, j'ai pas de sédatif. Ouais, ça attendra demain. Ça attendra demain de capturer Cockman. Mais quel régal! Quel régal! De voir les mecs faire le travail à ma place. Oh. Ouf. Oh, c'est beau ça. Oh, l'action est belle. Ah, oh, c'est génial. Je me trompe, où est la librairie? Je l'ai passé comme un connard, ok. Récupérons quelques points d'études supplémentaires. Oh. Voilà. C'est génial. Ok, super. Et je peux le faire parce qu'il n'est pas encore 5h30. Je vais vraiment gagner, bourrer les points. Voilà, super. Bourrer les points jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la lie. Pardon. Par là. Oh, senpai.
non, il est là-bas. Oh, senpai. Oh, senpai. Oh, senpai. Ok. Bonjour, madame. Faire un rapport de sang et de corps. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Normalement, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? quelqu'un découvre une arme ensanglantée. Les membres de la faculté décident d'appeler la police. Mais quelle arme? La police arrive à l'école! Ils trouvent plein de morceaux de cadavres! Ils n'arrivent pas à trouver d'armes. La police questionne tous les élèves, y compris Ryoba, mais ils n'arrivent pas à le lier. La police barre dans sa logique de police, très bien. Senpai s'inquiète que l'école n'est peut-être pas safe. Ryoba stalke Senpai jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Oh. Et ça compte. Elle a brûlé, chers amis. Elle a brûlé. Écoutez, ça vaut largement la peine de lécher la pomme de Senpai et d'aller raconter toute cette histoire à notre meilleur ami. Alors, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Une autre petite pute a eu tout ce qu'elle méritait. Lâchez un like, n'hésitez pas pour le commentaire, abonnez-vous, l'amour, tout le reste pour plus de Yandere Simulator. Je vous remercie, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Est-ce qu'on devrait faire un part-time job ou est-ce qu'on devrait lire notre manga afin d'augmenter notre séduction? Après tout, Senpai ne voudra pas d'une femme qui ne soit pas capable de remplir ses besoins, annoncés. Par contre, quelle arme sanglante, quoi. Surtout qu'ils n'en ont pas trouvé. Je...